C'est un patient que je suis en podo. Il a à peu près 30, il a une trentaine d'années. Il fait du volley. Il est entraîneur aussi de volley. Il a un travail sédentaire. En fait, en histoire, il avait eu il y a 2 ans des semelles par un confrère qui avait déclenché. Alors, c'était des semelles prévention sportive vraiment qui avaient été mises en place. Ça avait déclenché une aponévrosite plantaire. Donc, suite à ça, il avait enlevé les semelles. Il supportait vraiment aucune modification de la part de mon confrère. Donc, ça avait été enlevé. Il avait amorcé la kiné. Etc., etc., etc. Il avait fait pas mal de séances. Il y avait une amélioration des symptômes, une quasi-disparition pendant 6 mois. Et après, derrière, il a déclenché, donc maintenant, ça fait quasiment un an, plus d'un an, une douleur sur la partie antéro-interne du calcanéum, enfin, vers, en regard de la partie antéro-interne du calcanéum, donc au niveau de l'attache presque de l'aponévrose, mais qui là se déclenche vraiment à la marche, au sport. C'est comme une douleur qui est évaluée à 4 sur 10 au niveau de l'EVA de manière un peu constante. Et là, pour le coup, le traitement kiné ne fait plus rien, l'ostéopathie non plus. Donc en kiné, il a tout ce qui est, alors moi je ne suis pas kiné, mais tout ce qui est massage, étirement. Il a eu un petit peu d'électrothérapie. Ils ont essayé l'onde de choc sans réussite sur 5 séances. Donc voilà pour le coup les semelles. Moi j'ai réussi de lui en faire des très light qui supportent sans aucun maintien de voûte. Dès qu'on touche à la voûte, c'est insupportable. Donc on est obligé de travailler en éléments de posturologie ou avec des éléments très très fins. Comme on était dans l'impasse, il a été voir un chirurgien spécialisé dans le pied qui pensait à quelque chose de plutôt nerveux. Donc ils ont fait un électromyogramme sans résultat qui était négatif, mais le chirurgien dit que souvent ça peut être négatif. Donc voilà, donc on se retrouve avec quelque chose où on ne sait pas le diagnostic et on ne sait plus en fait quelle piste explorer pour soigner ce jeune. Donc je voulais un petit peu votre avis et essayer de m'aiguiller sur des pistes à explorer. Ok. Deux petites questions. Du coup, je ne sais pas si j'ai mal entendu ou si j'ai zappé cette partie. C'est des deux côtés, c'est bilatéral, hein, les douleurs. Non, c'est que d'un côté, Que d'un c'est côté, d'accord. que du côté droit. Donc, c'est un volleyeur. Et en termes d'usure de la chaussure, est-ce qu'il n'y a pas eu de. Alors, soit des vieilles chaussures, soit une chaussure pas adaptée à son Alors, profil, sa morphologie? il échange tous les 6 mois. Il échange tous les 6 mois parce que comme il est entraîné en même temps, il est assez vigilant. Il n'y a pas de trouble très important au niveau dynamique. Et je voulais dire autre chose et j'ai oublié. Si, il avait fait un arrêt de sport de 2 mois sans amélioration des symptômes. Il n'a pas eu d'infiltration? Il n'a pas eu d'infiltration. L'apparition des symptômes, la symptomatologie, elle est apparue, elle est post-traumatique ou elle est apparition progressive? En fait, au début, on est parti sur le fait que c'était en fait le déclenchement avec l'aponévrosite plantaire qui était là, et on est resté longtemps sur cette idée. Le chirurgien nous dit d'arrêter d'aller dans cette idée et d'aller comme si c'était un nouveau diagnostic. Et ce diagnostic-là, il sera apparu de manière assez progressive, sans traumatisme, en tous les cas, dit par notre patient. D'accord. Il y a eu des examens complémentaires de fait, de type IRM, échographie, justement, pour enlever Ouais. la possibilité qu'il y ait tout simplement une bursite. Alors non, il n'y a pas de bursite. Il y a eu IRM et écho et radio. Il a tout fait. Donc, Ouais. moi, il n'y a pas de bursite. Il y a de temps en temps une inflammation un peu des tissus autour, mais l'inflammation va bouger. Des fois, elle va être en plantaire, des fois, elle va être plus en regard du naviculaire ou vers le calcanéum médial, et ça bouge un petit peu. Il n'a pas d'ossification Non. sur la. Et en termes de palpation, du coup, on ne serait pas sur un tibial postérieur ou quelque chose comme ça? Alors, c'est vrai qu'on remonte le long de la gouttière rétro-malléolaire, mais après, sur le tibial poste en insertion proximale, pas forcément. Mais ça n'a pas été étudié plus que ça, le tibial poste. Le chirurgien partait plus sur, effectivement, le trajet nerveux en rétro-malléolaire. Parce Et qu'après. c'est une douleur, excusez-moi de vous entendre, mais Pardon. c'est une douleur qui est plutôt de type mécanique ou Oui. inflammatoire. Ouais, mécanique au repos, il n'y a pas de douleur. D'accord. Et c'est plutôt c'est son pied d'appel. Alors, c'est son pied droit, donc c'est vrai, ouais, oui.
C'est son pied d'appel. Oui. Et en termes de posture, justement, est-ce qu'on n'aurait pas effectivement un point, je suppose qu'il a été vu par des ostéos, est-ce qu'on n'aurait pas une pathologie de psoas trop court de ce côté-là? Alors ça, je sais pas. C'est une piste que j'ai pas. Enfin, en tous les cas, il a vu des ostéopathes, mais j'ai pas eu le compte rendu et je me suis pas. Enfin, j'ai pas creusé le compte rendu ostéopathique. D'accord. Et on n'aurait pas, par exemple, dans son profil morpho, une antériorisation, par exemple, de l'iliaque droite par rapport à l'iliaque gauche, si c'est le côté droit qui est concerné? Alors, je ne l'ai pas noté sur ma petite fiche bilan, mais je veux bien regarder la prochaine fois que je le vois. Ouais, s'il y a pas de, c'est ce que j'allais dire, je te laissais parler, Guillaume, mais c'est ce que j'allais dire, justement, s'il n'y avait pas des jeux de torsion. Moi, j'irais là-dessus. Donc ça, en clair, il faudra que je regarde au niveau de l'antéversion, rétroversion bassin. Tu regardes s'il y a une torsion au niveau de ton bassin. Donc, comme disait Guillaume, c'est difficile avec la caméra. Hop. Un iliaque antérieur d'un côté ou un postérieur de l'autre qui peut, du coup, si tu as un postérieur du côté gauche, c'est gauche le sein, hein, oui. Le côté sein, du coup, ça peut créer un faux iliaque antérieur droit. Donc, tu peux avoir des fois des jeux de compensation et des torsions comme ceci. D'accord. Et dans ces cas-là, est-ce que, dans ces cas, c'est au kinésithérapeute et à l'ostéo de venir un petit peu travailler là-dessus? Tu peux travailler l'ostéo, ouais. L'ostéo ou en thérapie manuelle un petit peu, ou avec des semelles provisoires justement pour venir justement déverrouiller un peu tout ça. J'essaierai en plus de tout ce travail effectivement de réaliser une infiltration là, sur la zone douloureuse parce que si tu arrives à le soulager un peu, le travail d'ostéo et kiné sera d'autant plus efficace. Parce que là, en fait, a priori, il a une boîterie de compensation. Il a mal à droite, il doit avoir une espèce de déséquilibre lié à ça. Si tu arrives un peu à diminuer la douleur, ne serait-ce que de 2-3 points à l'EVA, il va... Je crois que ce qui gênait les médecins pour infiltrer, c'était vraiment le fait qu'en fait, que lors des clichés, l'inflammation se déplaçait et j'ai l'impression que ça ne va pas trop piquer. Ouais. Et comme la douleur, même lui, hein, des fois, la douleur... Alors, nous, on a un laser au cabinet, on lui fait des séances de laser qui le calme un petit peu. C'est-à-dire, il faudrait qu'il vienne tous les 2-3 jours. Quoi. Donc, effectivement, c'est du pansement. Quoi. Ouais. Ouais. Après l'infiltration, normalement, tu le fais aux insertions. Quoi. Donc, D'accord. Donc, c'est quelque chose qui peut quand même être exploré. Après, tu as aussi quelque chose. Tu peux avoir un petit syndrome d'irritation au niveau de ton tendon. C'est-à-dire que tu n'es pas vraiment sur l'insertion pure, à proprement parler, de ton tendon. Mais par contre, tu peux avoir... Comme sur cette partie-là, tu n'as pas de gras, hein, t'as rien. Donc, ton tendon vraiment vient s'irriter sur les parois osseuses. Tu peux avoir un mécanisme comme ça. D'accord. Donc là, en clair, vous me proposez d'explorer la piste infiltration et la piste ostéo-posture au niveau bassin, c'est ça? Oui, bassin-hanche. Hein. Bassin-hanche, d'ailleurs, tu peux avoir un autre syndrome sous-jacent qui, effectivement, génère... quelque chose qui serait apparenté à une boîterie d'esquive et qui soit effectivement d'effet secondaire, soit d'une ténobursite ou d'une ténocellulite. C'est-à-dire qu'effectivement, tu peux avoir une modification. D'ailleurs, c'est au niveau des rotations du membre inférieur en dynamique, est-ce qu'on a une différence notoire qui pourrait être liée à l'esquive, qui pourrait être très bien liée à l'esquive douloureuse ou à un déficit, par exemple, de rotation interne de hanche. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. En tout cas, pas de chirurgie, ça c'est sûr, tant que tu n'as pas de... Ouais, non, effectivement, c'est une piste qui a été... parce que comme le diagnostic n'est pas clair, justement, on a besoin d'avancer dans ce diagnostic pour proposer le traitement le plus optimal. Ok, très bien. Bah, moi, je vais me pencher là-dessus et puis, je vous tiendrai au courant si ça a apporté ses fruits. Ouais, tu en es au courant. Ouais. Super, merci.